patients in this one ward alone. A ward intended for only 60. Some are more disturbed than others, and we're all in each other's ways. There are patients here that have been living in this ward for over 20 years. It's crowded and smelly, but some don't remember any other home. Salut Alter, comment vas-tu? Eh bien moi ça va très bien, ça va plutôt bien. Surtout qu'aujourd'hui, on va vous raconter une histoire abracadabrantesque et complètement folle. À propos d'un artiste plasticien danois, Louis Markussen, plus connu sous le nom de Ovartassi ou Ovartachi. Et vous allez voir que ce personnage, aussi extravagant soit-il, nous réserve des surprises parfois très difficile à comprendre. Ainsi, si vous aimez l'étrange, l'art, les histoires, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Bon voyage. Louis Markussen est né dans la ville de Ebeltoft, au Danemark. Ses parents sont plutôt aisés et sa fratrie se compose d'environ une douzaine d'enfants, enfin au fur et à mesure du temps, puisque dans ses enfants, certains vont être morts-nés ou simplement décédés à un jeune âge. Ses centres d'intérêt durant son enfance sont principalement le yoga, le bouddhisme ainsi que la littérature. Il était dit qu'en cette époque, Louis était plutôt un petit garçon timide qui ne recherchait qu'une seule chose, le contrôle de l'esprit. Il a commencé à s'intéresser à la peinture et aux arts plastiques après ses années en école primaire. C'est là qu'il décidera de commencer à étudier la peinture en tant que telle. Et c'est en 1913, alors âgé de 19 ans, qu'il obtiendra un apprentissage lui permettant de devenir peintre artisan. Jusqu'ici, il faut l'avouer, les choses ont l'air de plutôt bien aller dans sa vie. Il vient d'une famille plutôt aisée dans l'ensemble, il a grandi entouré, il semble être d'un tempérament plutôt calme, posé, et il réussira même à obtenir un emploi dans la chose qu'il aime le plus, la peinture, ce qui est plutôt rare à cette époque. Tu n'as pas tort. Et cette paix, somme toute relative, il va la garder encore une petite dizaine d'années. Avant de changer le cours de sa vie, en 1923. C'est au cours de l'année 1923 que ce fameux Louis, ici même en photo, décida de partir pour l'Argentine. Une fois arrivé là-bas, il obtiendra rapidement un emploi en tant que peintre dans la grande ville de Buenos Aires, avec l'un de ses amis avec qui il voyageait alors. Mais les choses vont rapidement péricliter. Petit à petit, il va se mettre à perdre le goût du travail et décidera d'avancer dans sa vie au gré de ses désirs, sans se soucier du lendemain. Cela le forcera à mener une vie vagabonde et il se mettra alors à traîner dans les rues, voire même à ne plus manger qu'un seul repas par jour, faute d'argent. Ne pouvant plus se loger, au bout d'un moment, il décidera de quitter la grande ville pour rejoindre la jungle au nord du pays. C'est fou quand même quand on y pense, hein. À ce point-là dans sa vie, Louis ne manquait absolument de rien, il avait tout pour réussir dans la vie. Et pourtant, quelque chose
Quoi, on ne sait pas, mais quelque chose à cette époque l'a poussé à l'autodestruction. Mais le pire, c'est que ce dernier, après avoir quitté la grande ville pour s'enfoncer dans la jungle où il y passera beaucoup de temps, ne laissera peu, voire pas d'écrits, pas de traces sur ce qu'il a fait durant cette période. Enfin, presque, car en fait, une idée générale semble se dessiner. En gros, l'idée est la suivante. Pour beaucoup, avant de partir de la ville, Louis était totalement sain d'esprit. Mais lorsqu'il y reviendra, après son temps dans la jungle, les choses en furent tout autres. De ce fait, pour les personnes qui le connaissaient, une seule chose a pu se produire durant ce temps où nous n'avons que très peu d'informations sur sa vie. Il aurait, d'après eux, rencontré des locaux et se serait adonné aux drogues, voire même aux drogues plutôt dures, les drogues hallucinogènes. Et hélas pour Louis, il subit de plein fouet un dur retour de bâton. Lorsqu'il retourna chez lui en 1929 à Ebeltoft, dans sa famille, il dut très rapidement trouver un emploi pour subvenir à ses besoins. C'est ainsi qu'il finira par devenir charbonnier sur un cargo. Mais quelque part, Louis n'est plus lui-même. Il a changé et ça, tout le monde s'en est aperçu. Pour parler de lui, plusieurs personnes de sa famille utiliseront ainsi les mots déséquilibré et paranoïaque. Quelques mois après son retour au pays, sa famille, inquiète, décida qu'il était peut-être temps d'agir et qu'il fallait l'interner. C'est ainsi que ce fameux Louis débutera un nouveau pan de sa vie à l'hôpital psychiatrique de Rýskov. C'est donc ici, dans ce fameux hôpital de Rýskov, que le diagnostic a été prononcé. Louis était atteint de schizophrénie. À partir de ce jour, à partir de cette date, et ce jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire 56 années plus tard, Louis vivra au sein de cet hôpital. Heureusement pour lui, et bien que plongé totalement dans un monde à part, en tout cas dans sa tête, Louis trouvera sa place au sein de cet hôpital qui deviendra peu à peu sa maison. C'est ainsi qu'il se créera en fait, au fur et à mesure du temps, plusieurs personnalités. Mais attention, pas des personnalités en même temps, des personnalités à part entière les unes après les autres. Par exemple, il se fera appeler Louis Gonzalez, tandis qu'une autre fois, il souhaitera qu'on l'appelle Puparpasta, ou bien encore Ivar Lyghazi. Mais la dernière personnalité qui va se créer, la plus forte, celle qui lui collera à la peau quasiment jusqu'à la fin de sa vie, sera celle de Håvard Tachi, ou Håvard Tachi, pseudonyme sous lequel on le connaît principalement aujourd'hui. Et ce pseudonyme n'a pas été choisi au hasard. En fait, Håvard Tachi était assez impressionné par la hiérarchie qui régnait au sein de cet hôpital. Entre médecins, médecins-chefs, soignants, aides-soignants, il voulait trouver sa place. Et il la trouva. Il décida ainsi un jour de s'inclure dans la hiérarchie de l'hôpital en devenant patient en chef. Il fera alors l'usage du terme danois, overtos, qui signifie le plus important, et du mot tosi, qui désigne en fait les patients de l'hôpital. Donc il devient le patient le plus important de l'hôpital, le patient en chef, Håvard Tachi. Durant les années qui vont suivre, Håvard Tachi ne va pas laisser tomber l'art, ni l'art plastique, loin de là, au contraire, il va le développer. Ainsi, il va se mettre à redécorer entièrement sa chambre et à peindre à peu près tout ce qui va lui passer sous la main, comme des boîtes de sardines ou des chapeaux de paille. Mais il s'adonnera également à la construction de statues ainsi que d'objets divers. Une thématique unique fera alors son apparition, les femmes, ou plutôt le corps des femmes. Et il y avait une raison philosophique à cela. Voici comment Håvard Tachi considérait le corps des femmes. Håvard Tachi formule de plusieurs manières un fort désir d'échapper à ses pulsions sexuelles et de se transformer à la place en l'être pur, beau et vivifiant qu'il considérait comme la femme. La pureté, selon la conviction d'Håvard Tachi, réside entre autres dans le fait que la femme a le contrôle de ses pulsions,
tandis que l'inverse s'applique à l'homme. Donc pour Ovartasi, une femme, ou plutôt son corps, est une forme de pureté, de perfection, car elle aurait le contrôle de ses pulsions sexuelles, ce que, a fortiori, l'homme n'a pas. Et pour comprendre cette admiration de la part de Ovartasi, il faut avoir en tête un point. C'est que Louis, de son époque, ne comprenait pas et n'a jamais compris ses propres pulsions sexuelles. Il ne les a jamais acceptées, et il en sera de même jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, presque. Mais sa vie ne sera pas que du bonheur dans ce milieu hospitalier. Il ne faut pas oublier que Louis a quand même des troubles psychologiques, ce qui le poussera de temps à autre à avoir des accès de colère, à être agité, voire à être en proie à des hallucinations. Donc l'une des choses les plus étranges, de ce que l'on comprend, c'est la sexualité de l'artiste. Comme on l'a dit plus tôt, il n'acceptait pas ses propres pulsions sexuelles, qu'il ne comprenait pas. Mais toutefois, il exprimait quand même le désir de trouver un jour une compagne. Sauf que dans l'hôpital où il vivait, il était strictement impossible pour lui de trouver une compagne, puisque les hommes et les femmes étaient séparés. C'est alors qu'il décida de fabriquer des poupées géantes en papier mâché, qui deviendront par extension ses petites amies. Il va leur parler, les embrasser, les cajoler. Et ça, c'est quand même vraiment étrange. La manière dont il compense une pulsion incomprise en créant une femme, ou des femmes, car il en aura plusieurs. Mais d'après ce que j'ai compris, jamais il ne sera question de relations sexuelles avec ses poupées. Ce n'était que de l'amour platonique. Durant les années qui va suivre, Ovartasi mènera un combat constant contre ses pulsions sexuelles. Et c'est en souhaitant les annihiler qu'il va prendre une décision complètement folle. En effet, l'artiste, au fil des années, ne peut se défaire de ses pulsions sexuelles qui l'attirent vers les femmes. Et frustré par ce désir, qu'il rejette tant bien que mal, il décidera tout simplement de faire une demande pour être castré. Et fait étrange, mais les médecins de l'époque, hein, il faut bien se rappeler que c'était quand même pas en l'an 2020, eh bien les médecins décidèrent de répondre favorablement à sa demande. Il faut bien se rendre compte qu'en 1951, année de sa castration, le fait que des médecins acceptent sa demande est extraordinaire. Ce n'est en effet pas comme aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la même époque. Hélas, pour Ovartasi, à ses yeux, cette castration ne sera pas parfaite, et il éprouvera encore une attirance pour le corps féminin. Frustré de cela, il demandera carrément à ce qu'on lui ôte ses parties génitales, à se faire enlever ce qu'il appellera lui-même les racines du mal. Mais cette fois-ci, les médecins lui refusèrent la procédure. C'est alors en 1954 qu'il décidera lui-même de prendre les choses en main. Il prit ainsi une lame de rasoir et décida de s'entailler. Sauf que non, il n'arrivera pas au bout de son geste, par manque de courage. Très frustré, il finira quelques semaines plus tard par prendre un marteau et un ciseau, et prenant son courage à deux mains, il s'amputera et deviendra ainsi un eunuque. Poussé par son désir inconditionnel de vouloir devenir l'être parfait, c'est-à-dire une femme, il demandera à ce qu'on lui fabrique des organes génitaux féminins. Et encore une fois, fait étonnant, l'opération lui fut accordée. Comme quoi le Danemark était quand même assez avancé à cette époque. Cette dernière sera réalisée de 1955 à 1957. Ovartasi a alors 63 ans, il est plus calme, plus posé, plus serein, l'opération physique commence à agir sur son psychique. Il portera alors des vêtements féminins et décidera de se laisser pousser les cheveux. Par contre, il fera la demande d'être transféré dans l'aile des femmes, demande qui lui sera refusée. Les années s'écoulèrent et nous arrivons tranquillement à l'année 1972. Ovartasi a désormais 85 ans et son art s'est tranquillement transposé. Il n'est plus du tout alors obnubilé par le corps des femmes et sa transformation, puisque cela est fait, il a atteint son nirvana, il rêve de prendre son envol. Il rêve, comme autrefois, de voyages, de nouveaux horizons, et décidera de répondre à cette lubie en fabriquant un hélicoptère. On le verra alors dessiner les plans d'un hélicoptère qu'il mettra en branle en utilisant une partie du jardin de l'hôpital où il fabriquera ce dernier. Il passera plusieurs années sur ce projet, mais hélas pour lui, ne finira jamais par le terminer. Mais entre-temps, une nouvelle lubie va commencer à émerger dans son cerveau, celle de redevenir un homme. N'ayant plus de sexe,
n'a plus de pulsions sexuelles, son esprit s'est calmé, posé, et plusieurs diront qu'il a atteint une sorte de lucidité. Une infirmière dira même que ce dernier lui avouera regretter son geste de changement de sexe. Et sur ce point, il dira ceci: on ne devient pas une femme comme ça. Puis il ajoutera: je m'appelle Louis Markussen et je suis un homme. Il aura au total passé une quinzaine d'années en tant que femme transgenre, mais décidera de terminer sa vie comme il avait commencé, en tant qu'homme. Howard Hassie deviendra officiellement un artiste reconnu en 1979. Il sera par exemple invité à l'exposition Outsider en Louisiane durant cette même année et recevra de nombreux éloges. Aujourd'hui, nous entendons encore parler de lui en 2022 puisqu'il fut exposé à la Biennale de Venise. Il s'éteindra en 1985 à l'âge de 91 ans, alors qu'il dormait paisiblement dans un lit de l'infirmerie de l'hôpital psychiatrique de Rykov. Voilà, voilà une histoire que nous voulions vous partager, tant la vie de ce monsieur est étrange. Parti d'une famille riche, un saint d'esprit, voulant un peu trop croquer peut-être le fruit de la vie, en usant, hélas, de drogues psychotiques, il finira par passer la moitié de celle-ci dans un hôpital psychiatrique. Mais personnellement, il y a quelque chose dans sa vie que je trouve fou. C'est qu'il fut diagnostiqué schizophrène. Puis qu'il changea de sexe, afin de rejeter ces pulsions qu'il avait en horreur. Et là, c'est un peu comme de la magie. Car d'après son histoire, en devenant femme, sa schizophrénie se serait assagie, voire estompée. Puis, il décida de redevenir un homme. C'est un peu une boucle, un cercle qui se ferme, car il terminera sa vie presque sain d'esprit et homme exactement comme il l'avait débuté. Et ça, je trouve ça fascinant. En effet, la vie d'Howard Hassie ne peut pas vraiment laisser indifférent. Car cet homme qui a poussé les extrêmes pour répondre à ses attentes, à ses désirs, a, quelque part, indirectement créer sa propre thérapie. Allez, sur ce, il est temps pour nous de vous laisser. Si vous avez des petits commentaires à laisser, n'hésitez pas, hein. On les lit, on répond à tous. Merci aux personnes ayant abonné à la chaîne, merci aux personnes ayant souscrit à la chaîne, parce que financièrement, c'est un peu grâce à vous que je peux financer quelques vidéos, entre guillemets. N'hésitez pas, hein, n'oubliez pas le petit pouce, le partage, et ainsi de suite. Bye bye, ciao, et à la prochaine.